sachant qu'il y a la population qui s'est, je veux dire, exprimée grâce au en fait, collectif citoyen de la plaine des Vosges à peu près 70% ou un peu plus de 70%. Donc la population, en fait, est contre. Nous, on a voté contre le projet et, en fait, au début, c'était pas très clair. Donc après, il y a eu tous les chemins ouverts au public, transformation, élargissement, etc. Enfin, je n'ai pas la peine de vous faire la leçon. Et donc, on s'est, je veux dire, exprimé contre. Donc, sur le projet que vous avez proposé sur 5 zones, en fait, nous, on est contre qu'il y en ait sur notre territoire, qu'il y en ait sur Broby, qu'il y en ait sur le territoire de Velotte et Tatignetout. C'est exactement pareil. C'est, je veux dire, exactement pareil. Pourquoi là, il y a des gens qui habitent Villers qui sont là, qui n'ont pas été contactés, encore moins? Parce que il y a des gens qui habitent Villers, qui sont au rez-de-chaussée, qui voient déjà les éoliennes avec les petits spots rouges, qui sont à Dompère, qui sont dans le secteur là-bas. Je veux dire, ils les voient déjà. Ça, c'est pas des racontards, des histoires. Moi, j'ai été sur place, et il y a des gens, ils regardent la télé. C'est pas catastrophique. Ils voient des petits faisceaux. Donc, il y a des gens de Racécourt, ils voient des petits faisceaux. Quand on veut, je veux dire, implanter toute une centrale sur 5 zones, là, nous, on va être, alors que ce soit sur le territoire de Velotte, que ce soit sur le territoire de Vroville, je veux dire, on sera tous impactés.